Les béliers, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un très joli 9 d'eau. On nous dit que votre souhait se réalise, que les soucis s'estompent, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. C'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est vraiment le fait d'avoir un souhait qui se matérialise, qui se concrétise. On a une révélation, un jugement, quelque chose qui est annoncé, trompété même, hein. Une seconde chance qui s'offre à vous, la possibilité de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin. C'est le réveil des morts, le jugement, c'est vraiment le déclic, le fait d'annoncer. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif. C'est la guérison, c'est le bonheur, c'est la bonne réponse, la bonne nouvelle, le bon partenariat, la belle association. C'est vraiment quelque chose qui vous transporte de joie. Le 3 de bâton en début de tirage nous parle que vous êtes en train de créer, de vraiment de mettre en place soit une nouvelle activité pro, un nouveau projet qui vous passionne, qui vous donne envie, peut-être être sur le point de vous unir à quelqu'un amoureusement, sentimentalement. On est dans la phase où on est juste avant de signer. Alors vous avez vraiment l'objectif en ligne de mire, vous savez que vous allez quasiment le toucher du bout des doigts, mais que vous n'êtes pas encore en train d'officialiser, qu'il y a encore un petit temps de patience, un petit temps d'attente. Et que pendant ce temps-là, eh ben, on vous invite à peaufiner les derniers détails, pour être certain après d'aller vers une nouvelle symphonie, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, hein. C'est vraiment la joie, l'allégresse. Et avec ce 3 de denier juste derrière, vous n'êtes pas seul. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences. On se met à plusieurs pour créer, co-créer, ou effectivement aller chercher les renseignements qui vous manquent, justement pour finaliser, pour mettre en place ce nouveau projet. Le valet, c'est quelque chose de tout jeune, de tout neuf. On met les premières bases, les premières pierres. Et le bâton, bah justement, c'est les activités pro, c'est les passions, c'est les hobbies, les loisirs. Ça peut être aussi une relation sentimentale, comme je vous l'ai dit en début de tirage. Donc, on est vraiment, enfin, vous êtes en train de finaliser, de peaufiner les derniers détails pour ensuite créer, atteindre un souhait, un vœu. Il y a soit des démarches administratives, des informations qui vous arrivent. Le fait vraiment d'avoir une heureuse nouvelle concernant un contrat, une union, un accord. Quelque chose vraiment qui vous met en joie apparemment pour cette journée. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vraiment on peaufine les derniers détails avant de signer, avant de s'engager. On fait des recherches, on cherche à en savoir un peu plus sur ce que vous voulez stabiliser. Ancré, signé, officialisé par rapport à une relation, un projet familial, quelque chose qui vous donne envie d'y aller, quoi. Au niveau concret, matériel, financier, une nouvelle, un projet où on se met à plusieurs, solidarité, travail d'équipe, ou le fait vraiment d'aller chercher les bons renseignements auprès de personnes qui sont déjà passées, je ne vais pas dire par l'épreuve, mais presque, parce qu'on voit quand même que cet ange, il a l'air un peu surchargé, hein, donc on voit bien qu'il est pratiquement au bout de sa mission, mais qu'il y a encore un petit peu de choses à faire et que ça lui pèse peut-être un petit peu. Donc on voit que vous ne serez pas seul pour cette journée, pour finaliser les choses, pour aller chercher les renseignements qui vous manquent. Il y aura du soutien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc contrat, union, association, un accord, un contrat, qui peut, un nouveau contrat de travail, pourquoi pas, ou le fait de se remettre au sport pour certains, hein, l'anneau c'est aussi les cycles qui se répètent, les bâtons c'est les activités, c'est les passions, c'est les loisirs. Donc là, pour certains, donc c'est le fait d'avoir un nouveau contrat de travail, pour d'autres c'est peut-être de renouveler un engagement. Les autres, c'est pour se remettre à une, pas une expérience, mais une passion, un hobby, un loisir. Enfin, il y a quelque chose soit qui démarre ou qui redémarre. Et c'est quelque chose qui vraiment qui vous met en joie, qui vous donne envie d'y aller. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 4 de terre. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent.
On a possiblement aussi pour certains d'entre vous des bonnes décisions d'affaires. Et on vous invite à partager ces richesses avec les moins nantis. Alors la richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent, ça peut être du temps, ça peut être un savoir-faire, enfin le fait peut-être de partager avec ceux qui manquent de quelque chose ou qui ont besoin de votre aide, pourquoi pas. Avec la lune et le cercueil en dos de deck, il y a des choses à éclaircir, peut-être des peurs aussi à affronter, des choses à régler qui concernent le passé, une relation, quelque chose de familial, un projet, quelque chose qui peut-être a été conflictuel ou qui est encore conflictuel. Et pour en terminer, il va falloir prendre le taureau par les cornes et boucler l'affaire. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire, puisque on est avec le cercueil sur une fin de cycle. Donc on met peut-être des choses à plat, on finalise une situation qui n'est plus d'actualité et qui vous pèse, hein, qui vous a peut-être fait souffrir, peut-être en relation avec quelque chose du passé, quelque chose qui a demandé beaucoup de courage, hein, pour justement oser affronter les choses et les boucler une bonne fois pour toutes. Je dis ça parce que quand même avec le 7 d'épée, on est bien sur le fait de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ça peut être par rapport à une trahison, une jalousie, un coup bas qu'on vous a fait, comme ça peut être simplement parce qu'on évolue dans la vie et ce que vous avez traversé, bah, c'est plus maintenant ce qui vous convient. Et vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes. Parce que si vous faites l'autruche, si vous mettez la tête dans le sable, bah oui, ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous fait souci, ça va passer, mais ça va se représenter jusqu'à temps que justement vous clôturiez les choses une bonne fois pour toutes, pardon, jusqu'à effectivement ce que vous preniez votre courage à deux mains pour bah, mettre les choses à plat et clôturer le cycle. Et c'est ce que vous allez faire, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est vraiment bouclé pour justement ensuite passer en phase de développement, pour mettre en place un autre projet, quelque chose que vous avez au fond de vous, ou que vous êtes en train de maturer, quelque chose qui demande un peu de patience, qui demande de la flexibilité, mais qui est destiné à vous apporter de l'abondance. Et ça va vous faire passer quand même par une phase où ça va peut-être pas être très confortable. Hein, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur de quitter ce 4 de terre qui est très stable, certes, mais où peut-être vous vous y sentez un peu à l'étroit maintenant. Vous voulez plus, ce qui semble tout légitime. Vous voulez plus de confort, plus de mieux-être, plus d'abondance. Et le fait de quitter ce 4 pour mettre en place un autre projet, eh bien, ça fait passer par une étape où c'est pas très confortable, où on ressent justement une instabilité. Mais c'est un passage nécessaire pour après atteindre un 6, où on va donner et recevoir de façon équitable. Donc on est sur la fin de quelque chose qui a été pesant, qui a pris du temps, qui peut-être a généré pas mal d'émotions, somme toute pas spécialement positives. Alors ça peut vraiment être en relation avec le travail, avec un patron, avec un conjoint, avec une personne peut-être très autoritaire, pardon, ou quelqu'un d'un petit peu filou, hein, qui vous l'a fait un peu à l'envers. Ou alors c'est vraiment le fait de prendre son courage à deux mains et de faire preuve de discernement, de ruse, d'intelligence pour justement quitter cette situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, pour vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est bien sur la fin. Quelque chose de pénible, de lourd. On quitte, hein, cette épée, la croix. Vous en avez assez soupé, il y en a un ras-le-bol, on vous l'a trop fait, vous avez trop mal, ou il y a quelque chose que vous ne pouvez plus souffrir, et là, eh bien, c'en est la fin. Prenez les choses en main et vous quittez cette situation. Au niveau concret, matériel, financier, un projet en gestation, une nouvelle qui arrive, enfin, quelque chose qui vous apporte ou qui va vous apporter de l'abondance. Un peu de patience est demandé, de la flexibilité, le fait de faire attention à soi et à ce qui vous entoure. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Elle sait gérer, elle sait arrondir les angles, mais elle sait aussi un petit peu manipuler les gens à son avantage. Ce n'est jamais bien méchant, mais c'est vraiment pour que ça aille dans son sens. Donc pour avoir peut-être plus d'argent, plus de confort, ou pour atteindre ce que vous souhaitez comme projet,
Vous n'hésiterez pas à faire preuve de force, de courage. De toute façon, vous êtes protégé. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif, on est pour certains taureaux en train de faire bouger les choses. Avec beaucoup de discernement, avec beaucoup d'intelligence, vous vous apprêtez à quitter un endroit où vous avez l'impression un peu d'être à l'étroit, de manquer, de... Ça ne vous convient pas, vous vous sentez enchaîné, c'est quelque chose ouais, qui n'est plus fait pour vous, pas assez rémunérateur, pas assez d'autonomie, hein. Vous avez l'impression d'être attaché, manipulé peut-être, hein. Donc là, vous vous apprêtez à changer. Enfin, pour certains, c'est même pour créer peut-être leur propre entreprise, pour être leur propre patron. Et pour d'autres, c'est pour vraiment quitter un endroit pas spécialement bienveillant, où on vous fait prendre des vessies pour des lanternes, où on ne vous rémunère pas à votre juste valeur, où on ne vous considère pas, on vous prend pour un pion, pour un outil de production, et ça ne vous convient plus. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est la reine d'air. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'épée, elle fait des choix judicieux, elle sait voir les choses en face. On ne peut pas l'entourlouper, hein. Elle sait flairer les mauvais coups des kilomètres à la ronde. Vous allez être droit dans vos bottes pour cette journée. Voir les choses en face, prendre des bonnes décisions et des décisions, ou au moins une décision, un choix, certainement qu'il y en aura un ou une, parce qu'on a deux deniers, le deux de coupe, qui est une question de choix, de décision, de, oui, de faire un choix important, et surtout avec les amoureux en deux decks. Un choix important pour la suite, pour l'avenir, pas la couleur de vos chaussettes du lendemain, sur lequel on hésite. Où il y a donc quelque chose qui vous fait un petit peu douter, on vous invite vraiment à faire un choix de cœur, non seulement avec les amoureux, mais aussi avec le 2 de coupe, mais également avec le serpent. Le serpent, c'est aussi, outre l'envie, la jalousie, les mesquineries, les coups bas, c'est aussi le désir, l'envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire le plus possible. Donc, un choix important. Aller vers ce qui vous fait vibrer. Avec ce 2 de denier, en début de tirage, on est sur pas mal de choses à gérer en même temps pour cette journée. Ça va, vous allez savoir gérer, ça passe crème. Vous allez prendre les choses de façon assez légère. Et même si vous êtes au four et au moulin, vous saurez vraiment gérer toutes les situations qui vont se présenter devant vous. Par rapport à ce rendez-vous, cet entretien, ce choix à faire, vous allez savoir trancher, décider, avoir les idées claires, comme cette reine d'air. Hein, on va savoir prendre les bonnes décisions en fonction de son expérience, de ce qu'on a déjà vécu, de façon à ne pas se reprendre les pieds dans le tapis et ne pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé. Donc ça va, c'est clean, c'est clair. Vous allez pouvoir gérer les choses correctement, même s'il y a pas mal d'occupations pour cette journée. Par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, votre stabilité, votre sécurité, votre bien-être intérieur, on voit qu'on a des communications, des échanges, une invitation, une proposition, quelque chose qui vous fait bien plaisir, d'où peut-être le choix, la décision à prendre, peut-être pour s'engager sur une nouvelle activité pro ou pour aller sur un poste à plus haute responsabilité, pour changer hein, tout simplement. Enfin, il y a quelque chose où il faut prendre une décision. Hein. Et donc, comme tous les deux, eh bien, c'est soit ça renforce le pouvoir ou ça divise. Hein. Donc, à vous de voir si vous allez vous séparer de quelque chose ou aller vers autre chose pour augmenter une situation, pour faire évoluer quelque chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, pas mal de choses à gérer pour cette journée, pour maintenir ou restaurer un équilibre. Une sécurité, une stabilité, votre confort matériel peut-être, hein, bon ça va, vous allez savoir gérer les choses correctement. Au niveau du concret matériel financier, on a de la communication, un entretien, peut-être même le fait de pouvoir régler positivement un conflit, un souci, quelque chose qui était peut-être en déséquilibre. Là, on a la bonne décision, le fait d'y voir clair, une belle proposition hein, qui pourrait vous permettre bah, justement d'avancer
correctement et de vous sentir bien. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités de tous les jours, une invitation, une proposition, un cadeau, quelque chose qui fait plaisir, qui vous permet d'y voir clair, c'est quelque chose qui démarre, c'est un as, c'est un commencement, c'est quelque chose qui vous permet de trancher, de décider. Ça peut être aussi une nouvelle qui arrive comme ça d'un seul coup, d'un seul, mais en tout cas, ça va vous permettre, vous, de vous épanouir. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. Alors, si vous me dites que vous passez une seule journée, j'aurais tendance à vous dire que vous foutez de moi là. Hein. Donc, carte de tendance du jour, le 6 de terre, le fait de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, des nouvelles opportunités de carrière pour certains d'entre vous, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le 6 de terre, c'est le fait de donner et de recevoir de façon équitable. En dodec, le 10 de coupe, c'est le bonheur à tous les étages. C'est le fait d'être heureux, joyeux, c'est dans l'harmonie complète. Recevoir une bonne nouvelle de la part de la famille, recevoir une bonne nouvelle qui vous met en joie, mais même qui vous fait décoller les pieds de terre. Hein. Le bon partenariat, la guérison, la bonne réponse, enfin quelque chose qui vous fait avoir la banane, hein, quelque chose qui vraiment vous fait extrêmement plaisir. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Hein, vous êtes sur votre tapis volant, vous allez tout droit vers les lauriers. Vous allez pouvoir vraiment prendre de la hauteur, vous sentir valorisé. On vous met à l'honneur, on vous met même sur un piédestal pour certains. On a vraiment des choses qui s'améliorent d'un seul coup, d'un seul. Une situation qui vous libère, quelque chose qui se clôture, quelque chose qui a duré longtemps. Et là, paf, ça se décante. Ça se clôture et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose, mettre en place soit une nouvelle activité professionnelle. Pour certains, c'est se réorienter, voire même de partir en formation. Pour d'autres, c'est effectivement le fait de recevoir une somme d'argent un petit peu de façon inattendue, mais qui met bien du beurre dans les épinards. Un changement positif, des bonnes nouvelles qui arrivent, les honneurs. Le fait de se sentir connecté, guidé, le fait de retrouver de la sérénité, peut-être d'officialiser quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Enfin là, c'est une journée agréable qui s'annonce. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, pour certains, pourrait très bien avoir l'acceptation pour un déménagement. Pour d'autres, oui, effectivement, on peut-être se séparer. Mais ça m'étonnerait, bon, quoique des fois, quand ça va plus, on sépare et hop, ça vous soulage, ça vous libère, ça vous permet de vous sentir bien. On peut très bien séparer les biens de façon équitable et dans la, je vais pas dire dans la joie et la bonne humeur, mais en tout cas de façon respectable. Pour certains, on peut très bien avoir l'acceptation pour une mutation, pour une promotion au niveau d'un poste. On peut, pour ceux qui sont en âge de procréer, annoncer l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Enfin, il y a vraiment des choses qui vous mettent en joie. Au niveau du concret matériel financier, c'est pareillement quelque chose qui se libère, qui vous permet de vous sentir mieux, une chose qui s'améliore, qui vous permet d'y voir clair. On reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Enfin là, vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle. De façon plus léger, de façon plus légère. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur le fait pour certains de signer un contrat pour redémarrer quelque chose de nouveau, un nouveau poste, un nouveau job. On peut très bien recevoir aussi une somme d'argent de la part d'un organisme officiel. Juge, notaire, avocat, organisme d'État, enfin quelque chose qui va vous permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards ou tout simplement avoir l'accord pour une formation ou pour se réorienter. Donc une très belle journée en perspective. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance, un 9 de feu. Ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Pour certains, on pourrait ressentir une forme de fatigue, de lassitude. Hein. Il y a quelque chose qui dure depuis un moment, qui demande des efforts ou qui vous a demandé vraiment de fournir des efforts, de prendre des responsabilités. Et vous ressentez comme un, je ne vais pas dire un essoufflement, mais en tout cas, le fait de se dire qu'il ne faut plus que ça dure très longtemps parce que là, je ne vais pas tenir.
Or, vous êtes dans la dernière ligne droite. Il y a un dernier coup de collier à donner. Alors oui, il faut vous protéger, vous fixez vos barrières, fixez vos limites, mais restez en mode je suis sur le terrain, hein, je ne lâche pas l'affaire. Vous allez vraiment, d'ici peu de temps, atteindre ce que vous souhaitez. Encore un petit temps de persévérance, de courage. Vous ne serez pas seul. Il y a du monde autour de vous pour vous aider justement à cheminer, à aller vers cette dernière ligne droite. Hein. On voit bien que vous en avez peut-être plein le dos, mais qu'il ne faut pas lâcher l'affaire parce que juste derrière, il y a le jugement. Hein. Le fait de pouvoir franchir la ligne et de pouvoir retrouver sa force, sa confiance, il y a la protection, il y a la solidarité, le travail d'équipe, la mise en commun de compétences. Donc, on tient le bon bout. Le 5 de coupe, c'est les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont blessé, meurtri, qui vous ont mis un genou à terre, qui vous ont mis la tête sous l'eau, hein, et vous peinez justement à remonter ou à maintenir quelque chose à flot. Il est temps pour vous de lâcher ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui vous pèse, hein, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous donne l'impression de couler tout simplement. Il y a trois coupes qui vous tirent vers le bas, là, qui vous empêchent d'avancer. Vous ne pouvez plus rien y changer. C'est le passé. Hein. C'est destiné à s'enfoncer, à vous de lâcher l'affaire et pour vous diriger vers plus de hauteur, vers plus de lumière, vers des choses bien plus joyeuses. D'ailleurs, juste d'ailleurs, on a le 9 de coupe. Mais alors, tant que vous ne déciderez pas, vous, de lâcher ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, effectivement, vous allez rester entre deux, on va dire, et à pédaler comme un forcené pour essayer d'avancer, et ça va vous sembler comme si on avait une chape de plomb au pied, quoi. Hein. Donc, pour pouvoir avancer, il faut larguer le passé en étant poli et aller vers l'harmonie, le souhait qui se concrétise. L'accomplissement, les choses qui vous mettent en joie, qui vous font vraiment vous rebooster en énergie, en émotion. Et c'est en prenant un temps d'introspection, un temps seul pour faire le point, pour voir un peu d'où vous venez. Et apparemment, d'où vous venez, c'est un peu sombre hein, quand même. C'est un peu chaotique. Vous avez dû traverser des épreuves, des choses qui vous ont vraiment meurtri. Là, vous êtes là et la lumière, elle est juste là. Donc, on ne lâche pas l'affaire. On continue et on largue justement ce qui vous a mis pas mal de poids sur les épaules pour vous diriger vers la lumière, vers ce qui vous convient, vers ce qui vous permet de vous épanouir. Il y a bien la solution. La solution, elle est là. Pour quitter hein, ce poids, pour quitter les remords, les regrets, il y a une belle proposition, une belle invitation, une surprise même qui va vous mettre en joie et qui vous permet vraiment de sortir de cette chape de plomb et de quitter les remords, les regrets, de quitter une solitude, une tristesse, enfin quelque chose qui vous pèse pour aller vraiment vers quelque chose de plus confortable, de plus sécurisant, qui va vous redonner confiance en vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on a bien une proposition, une solution, une opportunité de quitter des remords, des regrets, des choses du passé qui ne vous apportent plus rien. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, c'est la fin d'une épreuve, d'un souci, d'une charge financière pour vous diriger vers quelque chose d'épanouissant. C'est l'accomplissement, c'est la récolte, c'est le fait vraiment de se sentir bien hein, dans son concret matériel financier. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui va vous alléger d'un poids. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, une belle proposition, une invitation, une surprise qui va vous demander toutefois de prendre un temps de recul pour faire le point, pour voir un petit peu, bah oui, si ça vaut le coup, cette proposition. Est-ce que oui, j'intègre cette nouvelle équipe de travail? Est-ce que oui, c'est ce qui va me rendre le sourire à la banane? Est-ce que je dois vraiment lâcher ce job qui me pèse, qui vraiment me fait du mal? Bah oui, vous devez bien sûr, mais c'est à vous de prendre la décision, à vous de faire le point, à vous de savoir si ça en vaut la peine. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour, un 10 de terre. C'est très chouette, un 10 de terre, c'est sécurisant. C'est une vie familiale très heureuse, une sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est le clan, c'est la famille, c'est les transmissions, c'est un héritage, pourquoi pas.
C'est le patrimoine, c'est le fait de se sentir en sécurité parmi les siens ou dans son quotidien, dans tout ce qui est concret, matériel, financier. On a des communications, possiblement, pour cette journée, au sein d'un couple, d'une fratrie familiale, ou tout simplement des communications pour mettre en commun des compétences, pour aller chercher des renseignements, pour créer, co-créer un projet, quelque chose de très palpable, hein, quelque chose qui va permettre d'avancer, d'évoluer, et peut-être de terminer, de faire avancer quelque chose qui vous pèse un petit peu, hein. C'est le fait d'y aller, peut-être il y a quelque chose de pesant qui génère un petit peu des conflits, des tensions, pourquoi pas, les oiseaux s'apiaillent un peu. Mais là, on voit que vous allez faire ce qu'il y a à faire justement pour quitter une situation, pour avancer vers une réussite, vers une victoire, pour lâcher quelque chose qui ne vous convient plus spécialement. Le 7 d'épée, c'est les jalousies, les mesquineries, les coups bas, c'est les vols, les entourloupes, enfin, les choses qui ne sont pas spécialement agréables à traverser. Et si on fait l'autruche, eh ben oui, ça passe, mais ça revient. Mais si on prend les choses en main, eh ben on clôture les choses une bonne fois pour toutes et on quitte la situation. Et par rapport à ça, ben, vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité, l'intelligence, tous les moyens à votre disposition pour justement en terminer avec ce qui vous pose souci. Ça peut être en rapport avec le banquier, pourquoi pas, le roi de denier. Mais ça peut être aussi vous qui êtes dans cette peau du roi de denier. Hein, le fait de savoir exactement comment gérer votre vie, votre quotidien. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu, de tarot. Hein, il a roulé sa bosse, il a d'expertise, il a l'expérience. Il sait profiter de toutes les petites choses de la vie. Il sait comment gérer son royaume. Il sait profiter de toutes les situations et faire ce qu'il y a à faire pour larguer d'un coup de pichenette ce qui ne lui convient pas, ce qui ne lui convient plus. On a une mise à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, on a une bonne réponse, un bon partenariat, une guérison pour certains. Enfin, il y a de la bonne nouvelle qui arrive de la part peut-être bah, justement de la banque ou d'un établissement officiel ou encore d'une entreprise. Là, on est sur quelque chose de très sécurisant. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, ça va bien. Vous vous sentez bien, en même temps qu'un 10 de terre et un roi de denier, ça aurait été difficile de voir les choses autrement. Au niveau de la famille, de votre sécurité au quotidien, de votre bien-être au quotidien avec les vôtres, dans vos émotions, avec des collègues, avec un patron, pourquoi pas, eh bien, on se sent bien. Hein. On reconnaît vos valeurs, vous êtes connecté, vous êtes inspiré, vous savez exactement comment agir pour cette journée. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on y voit clair. On a une bonne réponse, une bonne nouvelle, un bon partenariat, enfin quelque chose qui vous permet de quitter une situation malaisante, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Peut-être aussi un juste retour des choses par rapport à une entourloupe qu'on a pu vous faire. Là, les choses s'éclaircissent et on y voit plus clair. En tout cas, vous avez la main. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, pour certains, on peut vraiment démarrer un nouveau job au sein d'une nouvelle entreprise. Pour d'autres, on va prendre un temps d'introspection, un temps tout seul pour étudier un projet, une situation, et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui démarre et qui est destiné à vous faire progresser, à vous faire prendre de la hauteur. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir une promotion. On bouge de poste, on évolue. Hein, on a quelque chose avec plus de responsabilité. Pour d'autres, on va quitter une entreprise où ce n'était pas tellement terrible pour peut-être bah, même se mettre à son compte, hein, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, c'est positif. D'un côté, soit on quitte quelque chose de malaisant, et de l'autre, on peut très bien intégrer ou évoluer, progresser, promotion, reconnaissance, enfin, il y a quelque chose qui vous met en joie. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024, la carte tendance du jour, un 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome, couronné de succès. Le 9 de terre, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. C'est le fait de se sentir bien là où on en est, de savoir savourer les petites choses du quotidien. Même si on est seul, on se fait plaisir, on prend soin de soi, de son alimentation, de son quotidien, de son chez-soi, de ce qu'on aime. Oui, on est épanoui, on récolte pour cette journée. D'ailleurs, on finalise quelque chose avec la carte du monde. Quand on a la carte du monde, on a tout. On finalise un cycle, on atteint quelque chose avec succès.
On a des bonnes communications, des bons échanges au sein d'un couple, d'une fratrie, tout simplement des échanges avec du monde, le monde extérieur, peut-être même l'étranger pour certains. Quelque chose qui vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez, de récolter, de façon peut-être même très officielle pour certains d'entre vous. Hein. La justice, reine d'épée, on pourrait très bien avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, qui vous permet de vous libérer d'une situation et de partir dans une autre direction. On a fait le tour d'une situation avec celui de couple, il y a quelque chose qui... où vous avez fait le tour, qui ça vous apporte plus rien, c'est vide de sens, et vous décidez qu'il est temps eh ben, de prendre votre envol et de partir ailleurs, de pouvoir, peut-être pour certains, de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, de créer son entreprise, ou alors de quitter une entreprise. Toujours est-il que vous allez faire les choses avec beaucoup, bah, la justice c'est le signe de la balance, hein, avec beaucoup de droiture, en regardant les choses en face, en sachant prendre les bonnes décisions de vous-même ou de quelque chose de légal. Vous vous apprêtez là à tourner le dos à quelque chose qui ne vous sert plus, qui émotionnellement est vide. Et avec cette reine d'épée en termes de résultats, on voit que vous allez faire les choses avec discernement, avec droiture, avec justice, avec justesse, en tenant compte justement de ce que vous avez déjà vécu, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, les mêmes boulettes, pour ne pas vous vautrer. Et pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous soit favorable. Un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous touche émotionnellement, peut-être pour travailler de chez vous pour certains, ou qui concerne directement le foyer, ou pour certains c'est le fait de travailler chez des personnes, ou dans une entreprise à caractère familial. Toujours est-il que là vous allez chercher à retrouver une zone de confort, de la stabilité, de l'ancrage, enfin quelque chose qui vous rassure et qui vous assure un quotidien agréable. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, des nouvelles de la justice pour certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour d'autres ça peut être la mise en place d'un projet, et vous regardez les choses avec beaucoup de discernement, vous allez savoir peser le pour, le contre, regarder la vérité en face pour vraiment prendre les bonnes décisions, en bel équilibre, en étant droit dans vos bottes, en étant sincère, réglo, efficace, loyal. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous touchent à cœur, mais il y a pourtant des choses aussi qu'il faut quitter parce que ça ne vous apporte plus rien. Et vous regardez les choses correctement, avec discernement, vous faites le point, vous tranchez, vous décidez, et vous décidez qu'il est temps de vous diriger sur quelque chose qui va vous apporter plus d'accomplissement, d'épanouissement. Vous mettez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous permettre de vous sentir épanoui, heureux, celle qui va vous permettre de vous sentir bien au quotidien, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Vous vous mettez en marche pour justement atteindre cela. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, certains vont vraiment décider de, ou sont en phase de décider que vous allez quitter une situation peut-être certes très stable, mais il y a quelque chose qui est vide de sens maintenant pour vous. Vous avez fait le tour, ça ne vous apporte plus rien, c'est plus ce qu'il vous faut. Je ne veux pas dire que ça vous laisse froid ou de marbre, non, justement, c'est que vous vous rendez compte qu'il est temps de passer à autre chose, que vous avez fait le tour d'une question. Et que pour votre bien-être, pour ne pas que justement, je ne vais pas dire que vous deveniez avec un cœur de glace, parce que la reine d'épée, elle peut paraître froide, mais non, en fait, c'est parce que cette reine, elle a morflé dans sa vie. C'est la veuve, c'est la divorcée. Et pour que tout se passe bien, pour que vous sentiez bien là où vous vous activez au quotidien, que ce soit de chez vous, ou pour une entreprise, ou pour des personnes, eh ben, il est temps de prendre des décisions qui vont vous permettre de vous épanouir. Et vous allez savoir regarder les choses en face. Vous allez savoir que maintenant, ce que vous faites actuellement, ça ne vous convient plus. Il est temps de tourner la page. Pour certains, c'est vraiment le projet de s'établir à son compte. Pour d'autres, c'est le temps est venu de chercher une autre activité, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être sur le point de s'expatrier
ou vraiment d'avoir un travail en relation avec Internet, avec des communications, où on voit du monde, où on communique avec beaucoup de monde. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et d'aller vers quelque chose qui vous convient. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est la force, arcane majeure, carte numéro 11, pardon. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. La force, le fait pour certains de camper sur ses positions, mais pour d'autres, ça va être le fait de savoir comment agir, réagir, interagir en fonction de la situation, d'une situation ou des situations qui vont se profiler devant vous en cette journée. S'il faut faire preuve de patience et de douceur, vous saurez le faire. S'il faut montrer un petit peu les crocs, vous saurez le faire aussi. Vous serez vraiment, oui, d'une grande force tout simplement, sûr de vous. On a des communications pour cette journée, des échanges au sein d'un couple, d'une fratrie, tout simplement des échanges, et oraux et écrits hein, apparemment. Ça va vous demander certainement de prendre un temps d'introspection pour faire le point. Pour faire le point de savoir ce que vous faites de cette info. Hein, si vraiment vous allez vers ce qu'on vous propose. C'est quelque chose qui apparemment vous fait fortement envie, qui vous attire. Mais pour ça, il y a un choix à faire, une décision à prendre, sur laquelle vous hésitez. Et donc le fait de faire le point, hein, je viens d'où? C'est peut-être pas forcément très rose, il y a peut-être eu des écueils, des choses un petit peu noires. Là, on voit le chemin parcouru. Là, vous en êtes là et la lumière, elle n'est pas loin, hein. Donc, on prend un temps d'introspection pour faire le point avec sagesse, avec intelligence. Et on vous invite vraiment pour cette journée à faire un choix de cœur pour aller vers quelque chose qui vous illumine, qui vous met en joie, qui vous fait vous sentir vivant. Même si ça demande un petit peu de temps, un petit peu de patience pour justement faire le point. Parce que le fait de faire le point, ça va vous permettre de mettre au point justement des choses pour voir un petit peu ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez laisser derrière vous, de façon à pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, pour y voir plus clair, pour vous mettre en joie, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous redonne de la force, de la vigueur, de l'énergie, le fait de pouvoir prendre les choses en main. Donc un temps de patience, d'introspection pour faire ses choix, pour vous diriger vraiment vers quelque chose qui vous fait plaisir. Une invitation, une proposition qui peut arriver d'un homme, ou pour vous si vous êtes un homme, ou qui vous demande de prendre les choses en main. En tout cas, on a de la communication pour cette journée. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, invitations, propositions, nouvelles rencontres, une surprise, un cadeau, enfin, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui se met en place, c'est tout nouveau, tout beau, c'est le début, c'est les prémices, en tout cas, ça fait palpiter les petits cœurs. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on prend les choses en main pour justement faire évoluer son patrimoine, ses finances, son quotidien. Ça prend du temps, ça vous demande un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause, pour regarder les choses de plus près, pour voir un petit peu les changements que vous pouvez apporter pour justement récolter de façon plus abondante, pour sécuriser, pour restaurer un équilibre, enfin pour aller vers quelque chose de mieux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, des communications, une proposition qui vont vous demander de faire un choix sur lequel vous n'y voyez pas encore très clair. Il y a des doutes, une hésitation. On vous dit de faire un choix de cœur. Mais de prendre votre temps, de peser le pour, de peser le contre, de voir un petit peu si vraiment ça va vous servir par rapport au chemin que vous avez déjà parcouru. Mais en faisant un choix de cœur, vous serez assuré de prendre la bonne direction. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour est un 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc pas mal de choses à gérer pour cette journée pour certains d'entre vous. Le fait d'avoir un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle justement on hésite. On vous dit d'aborder les choses avec légèreté, hein, comme ce fou, de prendre les choses avec, oui, envie, passion, de façon à regarder les choses avec un regard neuf, comme un enfant.
le fait d'oser se lancer. Alors, ça peut être un choix par rapport à quelque chose qui concerne la famille, votre ancrage, votre bien-être intérieur. C'est le fait, oui, de peut-être pour gérer quelque chose du quotidien, tout simplement. Mais là, on vous dit qu'il y a de la communication, il y a de la connexion, il y a de la guérison. Il y a le fait de savoir qu'il est temps de prendre ses décisions à la manière d'un empereur, de faire ses choix pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de faire des choses avec, je vais pas dire beaucoup d'autorité, mais en tout cas en étant droit dans ses bottes. Alors même si on fait les choses un petit peu, je vais pas dire qu'on prend les choses au-dessus de la tête, non, c'est juste que on vous dit qu'il est peut-être nécessaire pour prendre cette décision de ne pas faire tout avec la tête, mais de se laisser aussi guider par son intuition et de faire les choses avec un peu plus de légèreté pour aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne. Et même si vous n'y voyez pas grand-chose pour l'instant, vous pouvez y aller parce que vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au cours de votre avancée. Ne restez pas focalisé sur de la rigidité, hein, sur tout ce qui est légal, sur tout ce qui est droit, sur tout ce qui ne permet pas de laisser entrer les émotions. Laissez-vous guider justement par votre intuition, par ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie de sauter le pas. Il y a une opportunité qui arrive vers vous qui va vraiment vous permettre de trancher, décider et de récolter quoi? Une union, un contrat, un engagement, enfin quelque chose qui va vous permettre de démarrer, quelque chose qui va vous apporter de la fraîcheur, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, une proposition, un coup de chance qui vous apporte l'espoir, la mise en place d'un nouveau projet, pour du moyen, pour du long terme, une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion, enfin quelque chose qui vous permet de croire à nouveau en quelque chose, au bonheur, à la chance, au fait de pouvoir se dire que oui, il est possible de démarrer un nouveau projet, de retrouver de la stabilité, de pouvoir s'engager et de ne pas toujours être dans les choses qui font que on doit compter, diriger, cadrer, encadrer, tout ci, tout ça. Au niveau concret matériel financier, une décision qui arrive, peut-être de façon très légale, l'administration, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, qui vous apporte de la stabilité, de l'ancrage, le fait de reprendre les choses en main et de pouvoir avancer de façon sûre et certaine, en sachant exactement vers quoi on veut aller. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, un nouveau contrat pour certains, ou le fait de se désengager d'un contrat, d'une union, d'un accord, est quelque chose qui, pour certains, va vous apporter plus de légèreté, plus de nouveauté. Le fait de s'engager sur un nouveau terrain de jeu, pour un nouveau patron, ou le fait peut-être de se désengager d'un patron trop rigide, trop autoritaire, pour saisir l'opportunité d'aller vers quelque chose de plus foufou, de plus fougueux. Alors même si on n'y voit pas très clair, allez-y, c'est vraiment le début d'une belle aventure. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 20 novembre. Les cartes tendances du jour, c'est l'éveil, arcane majeur numéro 12, autant dire le pendu. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Le fait de prendre un temps de pause, un temps de break pour étudier une situation qui vous paraît bloquée ou qui vous demande, oui, des efforts ou qui vous fait croire que ça bouge pas, ça bouge pas. Vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas voir le bout du tunnel, soit par rapport à quelque chose de familial, soit par rapport à votre épanouissement personnel. Il y a quelque chose qui vous pose souci. Cette carte du pendu, c'est l'arcane qui précède l'arcane sans nom. Donc là où il y aura un grand changement, un grand bouleversement. Et juste avant, on est sur une phase où on étudie une situation un peu sous tous ses angles. Regardez un petit peu si on fonce dans le tas, si on contourne les obstacles, s'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe. Et le fait de regarder les choses sous un autre angle, eh ben, on peut percevoir la réalité d'une autre façon. Hein, et y voir plus clair. Donc, on est pour cette journée un peu en statu quo,
où on regarde les choses pour justement sortir de quelque chose d'un peu épineux, qui même pour certains peut vous occasionner quelques problèmes au niveau du sommeil, ou en tout cas des choses que vous ressassez. Avec la Lune, on voit bien qu'il y a peut-être des choses à affronter, des peurs à affronter, des choses à régler, des choses qui ne sont pas claires concernant le foyer, la famille, le passé ou un projet tout simplement. Il s'agit là effectivement de regarder les choses sous toutes les coutures et d'écouter aussi son intuition, ses ressentis. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui a son prémisse. Alors ça peut être pour un nouveau job, pour une nouvelle relation, pour le fait de se remettre à une activité, un loisir, un hobby, une passion tout simplement. Et on voit que ça peut prendre du temps, hein. Ça va vous demander du courage. Et tel que ce cavalier de denier, eh bien vous n'allez pas en manquer. Vous allez prendre le temps qu'il vous faut, y aller étape par étape, en ne ménageant pas vos efforts, en gardant foi en vous, en étant courageux. Le cavalier de denier, il prend pas de risques, il y va à son rythme, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc malgré s'il y a une situation qui vous semble inextricable, vous n'en voyez pas le bout, si vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour redémarrer quelque chose, l'as de bâton c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Donc même s'il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous fait suer, vous allez prendre les choses en main et petit à petit, eh bien, vous allez y voir plus clair et pouvoir redémarrer et prendre une nouvelle direction. Il y a bien une situation qui va trouver solution grâce au fait de prendre de la hauteur, à prendre un moment d'introspection, à regarder les choses peut-être sous un autre angle, ou une solution qui va vous arriver plus concrètement de la part d'une administration, d'une entreprise, d'une personne qui est experte dans son domaine, qui va vous apporter la possibilité d'ouvrir, de fermer certaines portes et de y voir plus clair de façon ingénieuse, perspicace, intelligente et de pouvoir en rebondir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on voit bien qu'il s'agit là de prendre de la hauteur, de prendre un temps d'introspection pour faire le point, pour régler une situation qui traite du passé ou d'affronter ses peurs, prendre son courage à deux mains pour vraiment avancer, avancer et prendre des bonnes décisions. Donc, il y a des choses à mettre à plat. On vous dit de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir vraiment faire avancer et trouver la solution qui vous convient. Vous allez y arriver. N'ayez crainte, vous allez pouvoir passer au-dessus de tout ça. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une solution, vraiment l'opportunité de démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous fait vous sentir vivant. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le fait de dire c'est bon, j'ai réussi, j'y vais, je redémarre. Et j'y vais, je ne me laisse pas avoir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, et ben pour certains, soit vous êtes vraiment le bon employé modèle sur qui on peut compter, qui est fidèle, qui est fiable. Soit vous avez dans l'optique de démarrer une nouvelle activité et vous allez prendre le temps qu'il faut, vous allez prendre le courage, les risques mesurés, faire ce qu'il y a à faire, mais en tout cas vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction et vous allez vraiment atteindre vos objectifs. On peut être vraiment sur le point de signer un contrat avec une nouvelle entreprise, un nouveau patron, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie d'y aller. Bonne journée! Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 20 novembre. La carte tendance du jour, c'est la page de terre. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors le fait effectivement pour certains de recevoir des bonnes nouvelles financières, ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Pour d'autres, ça va être le fait d'être sur le point de se réorienter professionnellement, de repartir en formation, d'avoir un choix à faire. Oui. On essaye d'avancer, de mettre en place quelque chose de très concret. Pour certains, vraiment, on a de la nouvelle qui arrive, des communications qui vous libèrent. C'est les choses qui s'améliorent soudainement, comme par enchantement. Si on clôture un cycle pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Alors, on a le 10 d'épée qui nous parle vraiment que les choses s'améliorent, et la roue de fortune en carte de résultat
qui nous parle vraiment qu'il y a du changement à l'instant T, à l'instant présent. Les choses s'améliorent, bougent, redémarrent. Après un moment de pause, d'attente, où vous avez peut-être fait preuve de patience pour étudier une situation, pour voir un peu ce que vous pourriez apporter comme changement pour justement récolter de façon plus abondante. Après une phase où on se sent soit seul, soit où on a pris, vous avez pris le temps, vous prenez le temps de faire le point sur une situation qui a pris du temps, voir le chemin parcouru, voir d'où on vient, où on en est et vers quoi on se dirige, eh bien, vous allez pouvoir enfin voir les choses bouger, s'améliorer. Il y a quelque chose qui prend fin, une période pénible qui a été lourde à gérer. Là, c'est la libération, c'est le fait de pouvoir redémarrer quelque chose, de pouvoir saisir une nouvelle opportunité qui vraiment touche vos émotions. Au niveau de la famille des émotions et des relations, donc une opportunité à saisir qui va vous demander quand même toutefois un petit peu de patience ou de prendre le temps d'étudier les choses pour justement être certain que ce trèfle ne soit pas l'unique mais qu'il y en ait plusieurs après. Donc voir un petit peu les choses que l'on peut mettre en place pour récolter de façon meilleure sur la suite de ce que vous voulez voir s'agrandir, évoluer, prospérer. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on fait le point en cette journée, on écoute son cœur, mais on fait aussi le point en fonction de son expérience, de ce qu'on a déjà vécu, pour voir un peu vers quoi on veut aller, vers quoi, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir bien. Qu'est-ce qui vous permettrait de quitter une situation pesante? Là, vous faites un peu oui, bah, le point pour laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est sur la fin d'un cycle pénible. Il y a un changement à l'instant présent. La roue tourne, les choses s'améliorent, il y a de la bonne nouvelle. Il y a vraiment le fait d'avoir peut-être semé des graines, hein, il fut un temps, et là, ça va être le temps de la récolte. Hein, ce que vous avez semé, ce que vous avez attendu patiemment que les choses mûrissent, grandissent, évoluent, bah, ça y est, hein, le temps de l'isolement est terminé, vous allez pouvoir avancer sur un nouveau projet, sur un nouveau job, sur le fait peut-être de repartir en formation ou encore de vous réorienter professionnellement ou tout simplement sur un projet de tous les jours qui était peut-être long à mettre en place ou qui était difficile de faire le deuil. Là, ça y est, vous passez à la suite. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 7 d'air. On vous invite à revoir vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors, le 7 d'épée, le fait de vouloir quitter une situation ou effectivement d'avoir des modifications à apporter, le fait de prendre le taureau par les cornes pour régler un litige, une histoire de jalousie, mesquinerie, coup bas, il va falloir apporter quelques modifications à une situation. On est sur un 5 de denier en début de lecture, donc le fait de se sentir dans une situation de manque, ou la peur de manquer de moyens matériels financiers, que quelque chose vous manque, ou vous avez l'impression d'être pieds et mains liés, coincé dans une situation, là vous allez certainement vraiment vous libérer, annoncer, trompeter quelque chose qui concerne une union, un contrat, un accord. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être contractuel. On parle bien là de stabilité, d'officialisation, mais de quelque chose de réjouissant. Vous allez quitter une situation de manque, hein, quelque chose qui n'est pas spécialement confortable, pour vous diriger vers quelque chose de très épanouissant, quelque chose qui vous met en joie. Il y a une situation, une opportunité, un coup de chance, un coup de bol qui concerne deux personnes, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe, c'est une guidance générale. On est sur le fait, effectivement, de deux couples. Le couple, le jugement, soit on officialise une séparation, soit on officialise je veux dire, une union, soit on officialise un contrat. Enfin, toujours est-il que ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein, on unit ou on désunit. Le deux, ça peut être le fait de trouver un accord, mais ça peut être un accord agréable ou de résoudre un conflit. Le 2, il unit les forces ou il partage le pouvoir. Et avec cette carte du jugement, on est bien sur le fait d'annoncer,
de saisir une opportunité, de prendre une nouvelle direction, de saisir une deuxième chance pour quitter quelque chose qui vous fait craindre de manquer ou en tout cas qui n'est pas spécialement confortable, agréable. Et là, vous allez quitter cette situation pour aller vers quelque chose de très stable qui va vous permettre, vous, d'atteindre un objectif et de retrouver quelque chose qui vous convient. Une opportunité à saisir qu'on va officialiser avec ce LIS qui est ici, le fait vraiment de pouvoir modifier une situation épineuse. Jalousie, mesquinerie, coup bas, il y a encore une fois une opportunité à saisir de ce côté-là. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc une opportunité, un coup de chance de quitter quelque chose de chaotique, d'instable, enfin quelque chose qui vous fait craindre de ne pas y arriver. Vous êtes peut-être dans une situation transitoire, donc c'est un peu inconfortable, c'est un peu instable, mais c'est un passage nécessaire pour après aller vers quelque chose de plus épanouissant. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a une annonce qui est faite, ça peut être une annonce officielle d'un tribunal, un jugement, ou le fait vraiment de pouvoir saisir une seconde chance, une nouvelle opportunité, de prendre une nouvelle direction, de prendre les choses en main par rapport à un projet ou quelque chose de très concret. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, rencontre, rendez-vous, entretien, proposition, quelque chose qui touche vos émotions ou qui est pour vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Il y a de la signature dans l'air, le fait vraiment de s'engager ou de se désengager d'un contrat, d'une union, d'un accord. Bonne journée.